Aujourd'hui, il tient une rencontre avec le chairman, M. Apana, pour qu'il y ait un peu, avant la réunion formelle qui prenait lieu, qui nous mode d'opération, ça veut dire comment pour procéder. Et finalement, quand même, il y a différentes propositions qui nous viennent, par exemple, comment ça existait dans certains autres pays en termes de salaire minimum. Il y a une discussion de ce qu'on appelle le minimum living wage. Parce que là, la loi est normalement permet de lui dire qu'il peut venir qu'une recommandation, mais bien prendre en considération aussi le travail décent, mais aussi prendre en considération la compétitivité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contraintes dans lesquelles ce comité-là peut bien opérer. Mais seulement, il est important qu'il nous ait dans cette discussion-là, et surtout, M. Apana, ancien directeur PRB, il connaît un peu le mécanisme des salaires. Aujourd'hui, c'était une première rencontre avec le chairperson qui rencontre le groupe des syndicats, des travailleurs. Nous discutons de méthodologie et nous sommes d'accord un petit peu de quelle façon nous devons procéder. Bon, pour nous, il est clair qu'à la fin de la journée, c'est le gouvernement qui vient prendre décision, parce que c'est une décision politique. Et nous finissons surtout mettre l'emphase au niveau de la CTSP qui vient prendre en considération l'écart entre les riches et les pauvres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il nous peut faire, nous devons tomber d'accord sur un mécanisme pour une vraie distribution de la richesse. Et comment nous connaissons que le système peut marcher, nous devons être de l'autre côté si l'écart entre les riches et les pauvres peut continuer à grandir. Donc ça, il peut nous benchmarking, parce que l'employé, il peut tout le temps venir dire comme ça, ben, nous devons être capacité pour payer, nous besoin qu'il y ait de la croissance, mais jamais autre cause à l'école. Nous finissons aussi évoquer qu'il vient pas en considération le ratio qui est dans l'entreprise, ça veut dire salaire plus fort et que salaire plus faible. Et surtout, nous ne pas rentrer dans sa logique que de dire tel secteur, il y a besoin d'un intérim plus bas, l'autre secteur plus fort, parce qu'il nous veut causer un salaire minimal. Vous satisfait de sa première prise de contact? Première prise de contact nous satisfait. Moi, un petit peu pessimiste, moi, l'avenir lui-même. Qui fait nous dire ça parce que nous faisons un choc au niveau de la CTSP quand nous en prenons, qui pour guetter amendement la loi travail, fait mettre un high powered ministerial committee composé de 12 ministres. Pour salaire minimal, c'est combien? Bon, quand nous faisons salaire minimal, d'abord, nous devons faire bien attention. Nous ne faisons pas un living wage qui prend en considération un monde, tout ce besoin, y a le promener. Nous faisons un salaire qui garantit une sécurité alimentaire et qui garantit un accès à un besoin fondamental de base. Chiffre qui nous fait, nous, au niveau CTSP, il tourne autour de 8500 comme salaire de base net. Donc, ça, nous faisons par rapport à Household Budget Survey, nous prenons en considération le median wage, le poverty line, et c'est ça chiffre-là qui nous fait gagner. Donc, aujourd'hui, nous faisons une rencontre avec un représentant, un membre qui représente une association d'employés. Et dans le contexte ça, la semaine prochaine, nous pouvons faire une dernière réunion, un wrapping up meeting avec un employeur avant qu'il nous embarque lors la première réunion du Council. Bon, le National Wages Council, comme vous êtes au courant, il vous invite avec un salaire minimum national. Et ce salaire minimum national-là, il est pour applicable dans tout un secteur. Tandis que et National Remuneration Board de fixer un salaire dans un secteur spécifique, par exemple dans l'industrie sucrière, l'industrie théière, road haulage industry, la construction, etc. C'est là le National Wages, National Minimum Wage là, il est applicable dans le pays en entier. Ça veut dire tout un secteur qui n'est pas couvert aussi par le National Remuneration Board. Point 9, salaire monthly pour un monde qui est employé mensuellement, pour un salaire hourly pour un monde
qui employait l'ON base part-time. Et aussi prenant un autre minimum pour un apprenti, un trainee, etc. Et voilà un peu ce que le conseil pour appeler à faire dans le courant de l'année. En fait, la loi prévoit qu'il nous vient avec sa bonne recommandation là et un an, within 1 year, après que l'organisation finisse de débuter.